Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Prépa Couche pendant le confinement. Donc c'est l'épisode 34. Je rappelle que ces vidéos sont accessibles à toutes les femmes enceintes, quel que soit l'état d'avancement de votre grossesse. Vous le savez, j'en ai parlé depuis le début de la semaine. Exceptionnellement, cette semaine, nous faisons des séances dédiées à chaque mois de grossesse. Donc nous avons commencé lundi par le quatrième mois. Hier, nous avons fait le cinquième mois de grossesse. Aujourd'hui, ce sera un cours pour le sixième mois de grossesse. Demain, nous ferons le septième mois de grossesse et vendredi, le huitième mois de grossesse. Lundi, nous ferons le neuvième mois de grossesse et ensuite, mardi, mercredi, jeudi, une séance pour le premier trimestre, une séance pour le second trimestre et une séance pour le troisième trimestre. Donc, si cette semaine vous n'êtes pas, vous ne tombez pas dans un des mois que nous présentons, retournez aux séances de la semaine dernière. Vous allez trouver des séances qui s'adressent à toutes les femmes enceintes, qui sont globales. Donc, vous pourrez les suivre sans aucun problème. De mémoire, il y a même une séance spécifiquement dédiée pour la préparation à l'accouchement. Et voilà. Donc aujourd'hui, une séance spécialisée sur le sixième mois. Je vous rappelle que en bas de la description, vous avez deux liens. Le premier lien vous renvoie vers le programme Grossesse Confort Challenge, qui est un programme spécifiquement dédié au mal de dos pendant la grossesse. Donc, il vous aidera à soulager les douleurs et à éviter qu'elles ne reviennent. Le second lien vous envoie vers le programme Prépa Couche, vers un accès gratuit de 30 jours vers le programme dans son intégralité, avec ses séances mensuelles, ses séances trimestrielles et ses exercices à la demande. Voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir régulièrement les nouvelles séances que nous mettons en ligne, tous les jours en l'occurrence. Mettez-nous un petit pouce, ça nous aide à référencer la chaîne pour les femmes enceintes qui cherchent en ligne des exercices pour se faire du bien pendant la grossesse. Et si vous connaissez des femmes enceintes qui auraient envie de profiter de séances ou à qui ça pourrait éventuellement servir, n'hésitez pas à leur partager. Là-dessus, je vous laisse avec Elena pour le cours d'aujourd'hui, spécifiquement dédié au sixième mois de grossesse. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la séance de sixième mois. Vérifiez que votre pièce est bien aérée et que vous avez une bouteille d'eau avec vous. Comme ça, pendant la séance, quand vous avez envie, vous pouvez vous arrêter et prendre une gorgée d'eau. Voilà. On commence comme d'habitude par les étirements et la respiration. Vous êtes placé avec les pieds en largeur des hanches, le bassin en position neutre, poussez le coccyx légèrement vers le sol et sentez l'activité au niveau de votre planchette pelvienne. Vos épaules sont détendues et le cou relâché. D'ici, on commence par une profonde inspiration et avec expiration, vous lâchez tout. Sentez le poids de votre bras, sentez le poids de votre tête. Et vous vous redressez. On se penche de l'autre côté. Expirez et sentez le poids de votre bras et de votre tête. Inspirez. Avec expiration, on descend. Et on inspire, on se redresse. Avec expiration, on lâche tout. Et on inspire. On se redresse. Expiration. Relevez le bras, inspirez, redressez-vous. Et de l'autre côté, expirez, poussez le bras au plus loin possible. Vous tournez vos épaules, vous regardez vers le pied, vous lâchez votre bras, vous revenez en face, évitez de crisper votre ventre et vous vous redressez. Expirez, penchez-vous. Inspirez, redressez-vous, levez le bras. Expirez,
Inspirez, lâchez de l'autre côté, tournez les épaules, regardez vers le pied, lâchez votre bras, revenez en face et redressez-vous. Encore, expirez, levez le bras, inspirez, redressez-vous, penchez-vous de l'autre côté, poussez le bras au plus loin possible. Maintenant, vous allez fléchir les genoux. On regarde vers le pied, on revient au centre et on se redresse. De l'autre côté, expirez, levez le bras. Expirez, penchez-vous de l'autre côté, on fléchit les genoux, on tourne les épaules et on lâche le bras, on revient en face et on se redresse. D'ici, vous allez avancer vos bras, attacher les nez et pousser les nez au plus loin possible en cachant la tête entre les épaules. Ouvrez bien les omoplates, inspirez, relevez les bras. Et maintenant, poussez les nez au plus haut possible. Au plus haut possible, tirez le sommet de tête vers le plafond et prépoussez le sol avec vos pieds et relâchez tout. On expire. Vous poussez les bras légèrement en arrière. Vous serrez les omoplates et vous renversez la cage thoracique. Puis, vous inspirez, on fléchit les genoux et vous ramenez les bras devant vous, le dos légèrement arrondi et on revient. Inspirez et poussez les bras au plus loin possible vers le sol en serrant les omoplates et on revient. Dos rond, imaginez que vous attrapez un gros ballon devant vous et cachez la tête entre les épaules sans crisper votre ventre. Et on revient. Et poussez les bras au plus loin possible. Rapprochez les omoplates et poussez les omoplates vers le sol. Revenez et dorons. On ouvre bien les omoplates. Et on relâche tout. Inspirez, attrapez votre poignet. Pliez une jambe. Et en prenant l'appui sur la jambe pliée, vous tirez le bras par le poignet. Vous avez plié la jambe droite et vous avez vous tirez le bras droit en vous penchant à gauche et on se redresse. De l'autre côté, on fléchit la jambe gauche, on attrape le poignet gauche et on se penche à droite en expirant. Très bien. On se redresse et on relâche tout. On va commencer les exercices pour les bras et pour le haut du dos. On peut les faire en position assise. Vous allez vous mettre en position de tailleur. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise dans cette position, mettez une petite coussin sous les fesses. Ou vous pouvez mettre deux coussins sous vos genoux et comme ça, vous allez vous sentir plus à l'aise. Pourquoi on travaille les bras? Pourquoi on travaille le haut du dos, le haut de notre corps? Parce que au fur et à mesure qu'on se change morphologiquement, tout ça, notre corps il a besoin d'être renforcé. C'est pour cette raison. Si on renforce le haut du dos, notre posture elle va être correcte. On ne va pas déclencher les douleurs et crispations musculaires au niveau de notre dos, au niveau de notre cou, au niveau de nos épaules. Voilà, on commence avec les bras levés. D'ici, vous tournez les paumes de main vers le plafond. Chaque fois que vous allez plier vos bras, vous allez resserrer vos omoplates. En même temps que vous pliez les bras, vous poussez les coudes légèrement devant. Sentez que c'est les omoplates qui tirent. Et on revient. Vous pliez les bras. Vous commencez par rapprocher les omoplates.
Attention, ce n'est pas le haut des omoplates qui travaille, c'est le bas des omoplates qui travaille. Au centre de votre dos, il faut que vous retrouviez une espèce de triangle. Vous pliez les bras, vous rapprochez les omoplates, vos épaules restent détendues, vous avancez les coudes en même temps que vous pliez les bras. Et on tente les bras. Pliez en avançant les coudes, c'est important. Les paumes de main, les regardent tout le temps vers le plafond. Et on tente les bras. Imaginez que vous tirez un élastique. Et encore, vous tirez un élastique tout le temps en résistance. Pliez les bras, serrez les omoplates. Et on tente les bras. Encore. On descend et on remonte, on descend et on remonte. Poussez les bras en arrière, ils se trouvent légèrement derrière vous, mais vous vérifiez qu'il n'y a pas de crispation entre les omoplates à haut. Ici, au niveau du cou, au niveau des épaules, il n'y a pas de crispation. Et d'ici, tout simplement, vous tournez les paumes de main d'un côté et de l'autre. Vous pivotez vos bras. Les bras, ils se trouvent légèrement derrière vous, mais c'est à force de resserrer vos omoplates que vous gardez les bras derrière. On tourne, encore, encore, tournez. Et encore quatre fois. Trois, deux, et un. Très bien. D'ici, vous allez ramener les bras devant vous. Vous les croisez et recroisez en les pliant. Comme ça, vous allez sentir l'ouverture des omoplates. Vous respirez dans le dos. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Et on change. Placez un bras dessus l'autre, vous pliez les bras et vous recroisez les poignets. Et on reste là. Respirez dans les côtes et dans les omoplates. Sentez que votre dos, il s'élargisse. On reste là. Encore une inspiration dans le dos. Expirez. Et on ouvre les bras. Maintenant, imaginez que vous poussez deux murs de deux côtés. Vous poussez les paumes de main au plus loin possible et en même temps, vous tirez vos doigts tendus vers vous. Vous vérifiez que vos épaules elles restent basses. Vous trouvez une espèce de barre, une sensation de barre sous les omoplates. Sentez un triangle dans votre dos. La base de triangle, il se trouve sous les omoplates et le pointe, il descend vers le lombaire. Maintenant, on va enrouler les doigts, on tourne les poignets et on déroule les doigts en direction du sol. Vos bras sont bien tendus, repoussez les murs. Avec vos bras, sentez bien vos omoplates et tirez les doigts vers vous. Les doigts restent tendus et on tire les doigts vers nous en poussant les paumes de main au plus loin possible. Et on enroule les doigts, on tourne les poignets et on déroule les doigts. On pousse les paumes de main vers l'extérieur un maximum. Gardez les doigts tendus. Très bien. On reste, on reste, on reste. Et lentement, on relâche. Maintenant, on va étirer
nos épaules. Vous allez poser la main sur le coude. Vous vérifiez que votre épaule reste bien basse et vous tirez, vous poussez votre coude un maximum en arrière. Vérifiez que votre épaule, elle ne se rapproche pas vers votre oreille. Poussez l'épaule vers le sol en même temps que vous poussez votre coude vers l'épaule opposée. Très bien et relâchez. La main posée sur le coude, l'épaule bien basse et on pousse le coude en direction de l'épaule opposée sans arrondir le haut du dos, sans relever les deux épaules. On reste là. Et on relâche. Les prochains exercices, on va les faire pour renforcer notre ceinture abdominale. Mais comme on n'a pas droit de faire les exercices classiques des abdominaux, on va renforcer les obliques qui tiennent notre ventre pendant la grossesse et qui vont être actives pendant l'accouchement. Quand on va vous dire pousser, il faut qu'ils soient forts. D'ici, vous avez les bras posés devant. Avec inspiration, vous ouvrez le bras en arrière en tournant vos épaules légèrement et vous revenez. Inspirez, tournez les épaules, regardez vers le bras qui est derrière et revenez. Et on inspire et on expire. Et expirez. Et expirez. Et expirez. Encore. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Encore. Et on revient. Vous tournez votre colonne vertébrale à partir de la taille ou jusqu'à la taille. Le bassin reste immobile. Encore. Et on revient. Encore. Et on revient. Encore. Et on revient. Encore. Et on revient. Inspirez, ouvrez vos bras. Posez un bras sur le sol. Posez votre main gauche sur le sol. Levez le bras droit vers le plafond. Et d'ici, imaginez que la main gauche, elle est posée sur les roulettes. Vous roulez. Et vous revenez. Expirez lentement. Poussez le bras gauche au plus loin possible. Et revenez. L'appui sur les deux ischions, il est pareil tout au long de votre exercice. Les deux œufs de fesses, ils sont bien posés au sol. Expirez et inspirez. Expirez et inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, changez le côté. La main droite, elle est posée sur les roulettes imaginaires et c'est par rapport au bras droit. Imaginez que c'est une corde qui tire les roulettes et on suit le mouvement. Expirez, prenez votre temps. Inspirez, expirez, c'est vraiment les obliques qui doivent travailler. Inspirez. Il n'y a aucune contraction au niveau de votre ventre. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Encore deux fois. Et inspirez. Et expirez.
Inspirez, très bien. Avec expiration, tournez les épaules, posez la main sur le genou opposé et l'autre bras, vous le posez derrière vous. Repoussez le sol avec le bras posé au sol et vous allongez la colonne vertébrale. Il n'y a pas de crispation dans votre dos, il n'y a pas de crispation dans votre ventre. On reste. Et on inspire, on revient de l'autre côté. On se tourne, on pose la main sur le genou opposé. On pousse le sommet de tête vers le plafond. On repousse le sol avec le bras d'appui. Notre colonne vertébrale, elle est bien allongée. On reste là. Et on revient devant. D'ici, on se tourne face à la... à le genou, vers le genou gauche, face au genou gauche. Et la même sensation que vos bras sont posés sur les roulettes et vous roulez, vous avancez les roulettes et vous revenez, vous tirez vers vous les roulettes. Il n'y a pas de crispation dans le ventre, il n'y a pas de dos arrondi. Vous avez tout le temps la colonne vertébrale bien allongée. Et vous avancez les bras. Vous revenez. Et vous reculez tout petit peu. Encore. Avancez les bras sans arrondir le dos. Et on revient. Par contre, la planchette pelvienne, elle va rester active. La planchette pelvienne, elle va rester active. Il n'y a pas de crispation dans votre ventre. Et revenez. Et avancez. Et revenez. Avancez. Et revenez. Dernière fois. Revenez et changez le côté. Vous pouvez changer même la position de votre jambe. On est tourné vers le genou droit. Les bras sont posés comme sur les roulettes et vous poussez les roulettes en avant. Gardez le dos bien droit et vous revenez en arrière. Tirez légèrement votre cou en arrière. Avancez et revenez et avancez et revenez et avancez et revenez, avancez et revenez. Avancez et revenez. On s'arrête là. Très bien. Posez les mains derrière vous. Tournez les doigts vers vous. Et d'ici, vous repoussez le sol avec les bras en renversant la cage thoracique. Repoussez le sol avec les bras. Allongez la colonne vertébrale, tirez la colonne vertébrale par le sommet de tête et relâchez. Chaque fois quand vous faites l'exercice, évitez de prendre l'appui sur vos bras. Je m'explique. Il y a la différence entre prendre l'appui sur les bras et faire le mouvement ici et rester sur les ischions et essayer de poser les paumes de main au sol. En serrant les omoplates et en relevant la cage thoracique, en renversant la cage thoracique. C'est là que ça se passe. Il ne faut pas que vous partez en arrière. Vous avancez plutôt la poitrine et après vous renversez la cage thoracique. Et on relâche. Refaites-le.
Tendez les bras, repoussez le sol avec vos bras et renversez la cage thoracique en serrant les omoplates. Et on relâche tout. Très bien. Maintenant, on fait un exercice pour renforcer les muscles des hanches. Vous allez garder les jambes pliées. Vous mettez les mains à l'extérieur de vos genoux. Vous vérifiez que votre dos reste bien droit. Poussez le sommet de tête vers le plafond. Et maintenant, on travaille en résistance. En même temps qu'on appuie sur les genoux, vous allez résister avec vos jambes. Ce qui est important, c'est que vous restez sur les esquillons. Si vous sentez la crispation dans le ventre et votre bassin, il est enroulé, vous n'allez pas faire un bon travail et en plus, ça va devenir gênant. Vous avez la cage thoracique relevée. Vous avez le ventre bien placé entre vos jambes. L'ouverture de vos jambes, chacun il choisit sa ouverture de ses jambes. Ça dépend de la taille de votre ventre. Il ne faut pas que le ventre soit crispé et compressé. Si c'est là, c'est là. Votre ventre, il doit prendre la place entre les genoux. Ce qui est important, c'est que vous gardez l'appui sur les os des fesses. Moi, je tourne dans tous les sens. Comme ça, vous êtes plus, vous me voyez de tous les sens et vous comprenez qu'est-ce que je vous demande. Le dos bien droit. Les mains posées sur les genoux. Les épaules sont détendues. Et là, on travaille en résistance. Vous appuyez sur les genoux et on reste. 1. Tout de suite, vous allez retrouver le triangle dans le dos. La base du triangle, il est sous les omoplates. Le point, il descend vers le lombaire. Vous avez la planchette pelvienne active. Le ventre, il n'est pas crispé. Vous avez les Pyrénées actives. Sentez le travail dans les Pyrénées. Pour sentir ce travail, il faut que vous imaginez que vous voulez rapprocher les ischions et que vous inspirez les muscles de Pyrénées vers l'intérieur. Et on relâche. Quand on relâche, les bras et les jambes, elles se relâchent, mais pas le dos, pas le bassin. Vous gardez tout le temps un bon placement de votre bassin. Je reprends, si vous avez, vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, parce que, par exemple, vos hanches, elles ne sont pas assez souples. Ça peut arriver. On n'est pas tous morphologiquement pareils, on n'est pas tous bien souples. Posez une petite coussin sous les fesses, vous allez être plus à l'aise. On y va, on recommence. Vous appuyez sur les genoux et on reste. 1. Les omoplates en bas. 2. 3. 4. Poussez le sommet de tête vers le plafond. 5. Vérifiez que la planchette pelvienne et le périnée sont actifs. 6. Il n'y a pas de crispation dans votre ventre. 7. Et votre respiration, elle est fluide. Et 8. On relâche. Reposez-vous. La respiration, elle doit rester fluide tout au long de vos exercices. C'est important que vous faites attention à comment vous respirez. Il n'y a pas d'apnée, il n'y a pas de coupure. Inspiration par le nez, expiration vous faites ou par le nez ou par la bouche, comme vous voulez. On y va. En résistance. 1. Et on reste là. 2. 3. 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez tout. Vous sentez qu'en même temps qu'on travaille les hanches,
ça oblige de travailler le dos, les abdominaux et toute la partie supérieure de notre corps, les bras, le haut du dos, la poitrine. Encore une fois, on y va. En résistance. Et 1. Le triangle dans le dos. Et 2. Planchette pelvienne bien active. 3. Le périnée bien, travaille bien. On la inspire à l'intérieur. 4. Le cou détendu. Les épaules basses. 5. Bonne résistance, 6. Et on relâche tout ici. Vous pouvez ouvrir les jambes un petit peu plus. Et on arrondit le dos sans crisper votre ventre. On arrondit le dos. On descend. Sentez le poids de votre tête. Le dos harmonieusement arrondi. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Et on inspire, on se redresse et on relâche. Vous allez vous mettre en position sur le côté et on va travailler un petit peu les muscles, les adducteurs. Il faut que les adducteurs soient forts tout au long de notre grossesse. Et il doit être fort pendant l'accouchement parce que finalement, pendant la grossesse, les jambes, ils nous portent. Et s'il y a la faiblesse dans les jambes quelque part, ça provoque les gênes et les crispations. Et pendant l'accouchement, tous ces muscles à l'intérieur de cuisse, dans les obliques, tous ces muscles dans le bassin, tous ces muscles-là, ils vont être actifs. Il faut que vous soyez fort et endurant, on peut dire, résistant et endurant pendant votre accouchement. Pour cette raison, on va travailler l'intérieur de cuisse. Vous allez vous trouver en position allongée, le bras tendu, la tête posée dessus, comme ça la nuque elle est bien allongée. Vous sentez que votre colonne vertébrale elle est bien allongée, vous poussez le sommet de tête en direction de votre nez. Vous poussez votre coccyx en direction de vos jambes. Vous avez le bras posé devant vous au niveau de poitrine pour vous stabiliser. Il n'y a pas de contraction dans le dos. Toute la colonne vertébrale, elle est bien allongée. Les hanches et les épaules, elles sont bien parallèle. On va relever la jambe et on la nivelle avec elle est nivelée avec notre hanche. D'ici, c'est l'autre jambe qui doit se lever et on va la descendre au sol. On la relève et on la descend. Relevez et descendez. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. C'est important. Par contre, la planchette pelvienne et les périnées sont actives. On remonte et on descend. On active le périnée et on le relâche. On active le périnée et on le relâche. Et on descend. Prenez votre temps. Relevez. Et descendez. Relevez. Et descendez. Relevez. Et descendez. Encore. Et tout au long de l'exercice, tirez votre colonne vertébrale.
On imagine qu'on allonge le côté de la jambe qui se lève. On l'allonge. Et encore une fois. Très bien. Maintenant, on pose la jambe. Vérifiez la position de votre bassin. Ils sont bien alignés, les hanches avec les épaules. Et d'ici, vous allez plier la jambe et tout simplement, vous refermez le genou et vous ouvrez le genou vers le plafond. Là, le bassin il reste immobile. Votre jambe qui est au sol, elle est bien active. Votre côté qui est au sol, il est bien allongé. Repoussez le sommet de tête vers la main et tirez le coccyx dans le sens opposé. Lentement, on ouvre le genou et on referme le genou. On ouvre le genou et on le referme. On ouvre et on le referme. On ouvre et on le referme. Votre bassin, il reste immobile et on referme. On ouvre et on referme. On ouvre et on referme. Encore une fois et on le referme. D'ici, vous allez tirer le genou en direction de votre ventre et vous allez essayez de déplier votre jambe devant vous. Évitez de crisper, de compresser votre ventre. Ce qui est important, c'est de ramener votre genou près de vous. Et à partir de cette position, vous essayez de déplier votre jambe. Chacun a sa amplitude. Même avec la jambe pliée, si votre genou est bien rapproché vers vous, vous allez sentir un bon étirement. Et vous restez là. Évitez de poser le genou au sol parce que ça va vous gêner au niveau de votre ventre. Vous gardez le genou parallèle au sol, légèrement relevé et c'est plutôt aligné avec votre poitrine. Et relâchez. Pliez les jambes. Repoussez le sol avec le bras. Et on va changer le côté. Vous allez vous trouver en position allongée. Souvenez-vous que vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment, prendre une gorgée d'eau et nous rejoindre. Votre bras, il est aligné avec votre corps. Vous poussez le sommet de tête au plus loin possible. Vous poussez le coccyx dans l'autre sens. Vous activez la jambe qui est posée au sol et vous allongez le côté qui est posé au sol sans plaquer au niveau de taille et le bassin il reste parallèle avec la cage thoracique. Vous allez vous poser la main devant vous pour vous stabiliser. Le bassin reste immobile. Vous relevez la jambe. Et vous la nivelez avec votre hanche. Tout simplement, on relève la jambe qui était au sol et on allonge sur le côté de la jambe qui travaille. Et on descend. Relevez et descendez. Relevez et descendez. Relevez et descendez. Et encore, faites vos mouvements fluidement. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Votre côté posé au sol bien allongé, vous poussez le pointe plus loin possible. Et vous relevez le ventre, il est relâché, planchette pelvienne elle est active, les périnées sont actives, le dos détendu, il n'y a pas de crispation dans le dos. Le dos il va rester actif. Sans être crispé. On ne creuse pas le dos. Il n'y a pas une creux en bas de notre dos. Le bassin reste parallèle avec la cage thoracique.
et fluidement haut, lentement en bas. Imaginez tout le temps que vous travaillez avec un élastique et vous le tirez dans tous les sens. Vous ne le laissez pas sauter, vous le retournez quand vous faites votre exercice. Et on pose la jambe et on pose l'autre. On la plie, on ouvre le genou vers le plafond. On vérifie notre position, la colonne vertébrale toujours bien allongée. Et tout simplement, on ferme et on ouvre. Évitez de bouger le bassin et on ouvre. On ferme et on ouvre. Et on ferme. Le mouvement, il est fluide. Et il faut sentir que ça vous ouvre de l'intérieur, que le bassin, il s'ouvre. De l'intérieur, fermez et ouvrez. On ferme et on ouvre. On ferme, on ouvre. On ferme et on ouvre. Vous allez poser la jambe au sol. Vous allez rapprocher le genou vers vous, sans écraser votre ventre. Et vous dépliez la jambe. Même si le genou, il est fléchi, je répète la même chose, si le genou, il est fléchi, c'est pas grave, on cherche l'étirement dans la jambe, dans les muscles fessiers. Vous avancez les côtes en direction de votre genou. Le genou, il est nivelé avec votre poitrine. Si la jambe, elle est tendue, c'est plus facile de garder le genou relevé. Si la jambe elle est fléchie, vous allez l'aider avec votre bras, vous la tenez et vous la tirez vers vous sans écraser, sans compresser votre ventre. Et on relâche. Très bien. On plie la jambe et on va se lever. Attention. Si vous sentez que vous avez un léger tournis ou le vertige, prenez un petit peu plus de temps. Respirez. Reprenez les esprits. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Et on va continuer. Vous allez vous trouver en position, les jambes en écart et les genoux sont plier, pas trop. Évitez de plier trop vos genoux et vous retrouvez en position qui n'est pas à l'aise. Toujours la bonne assise sur les esquions, ça c'est important. Vous gardez les jambes fléchies. D'ici, on va se pencher en avançant le ventre et les côtes. Ici, vous allez vérifier que votre bassin, il se bascule, que votre penchement, il commence à partir de bassin. Et on descend, on descend, on descend, encore, encore, en poussant le ventre et les côtes vers le sol, vous descendez. En façon de pouvoir de poser les avant-bras par terre. Pas la peine qu'ils soient loin. Quand vous allez poser vos avant-bras par terre, votre bras il va être perpendiculaire au sol. D'ici, le buste il se lève légèrement. La tête reste en prolongation de votre colonne vertébrale. Et vous continuez d'avancer les côtes vers le sol. Vous allez sentir l'étirement dans les hanches et dans le dos. Restez là. Avancez les côtes. Encore. Avancez les côtes. Relevez le buste. On reste là. On reste là. Encore. Aideront, poussez les esquions vers le sol.
Repoussez le sol avec les mains. Évitez de crisper votre dos, votre ventre. On arrondit le dos en poussant le sol avec les bras. On ouvre les omoplates et on tend les jambes en même temps. Il n'y a pas de crispation dans le ventre. Et on revient. Les genoux fléchis, on relève le buste, on avance les côtes. Et on recommence. Jambes sont tendues, le bassin basculé. Vous poussez le coccyx vers le sol. Vous repoussez le sol avec les bras. Vous rentrez la tête. Évitez de crisper votre ventre. Cherchez à ouvrir vos omoplates. Et on revient. Inspirez, relevez le buste, avancez les côtes, les genoux sont fléchis. Pourquoi les jambes, ils jouent un rôle? C'est parce que le bassin, il doit être actif. Quand on enroule le bassin en poussant le coccyx vers le sol, les jambes, elles se tendent. Et quand on revient sur les ischions, les jambes, ils se fléchissent. On ne fait que ça. On tend les jambes en basculant le bassin et on revient. Évitez de faire cet exercice en contractant le ventre, en serrant le ventre. Non, il faut que c'est le bassin qui devienne mobile. La planchette pelvienne, elle va être active. Mais il n'y a pas de crispation dans votre ventre. Vous ne vous trouvez pas étouffé parce que vous avez fait finalement compresser et les poumons et l'estomac et le utérus. Non, on garde le haut de votre corps, on le garde bien allongé et colonne vertébrale, quand on l'arrondit, on l'étire. Elle est étirée par le sommet de tête. D'accord? Tout le temps. On arrondit le dos et on tend la colonne vertébrale, on pousse les ischions en arrière en maximum et poussez le sommet de tête vers le plafond et encore de rond et de plat et on relâche. On va se trouver avec une jambe pliée en arrière, l'autre jambe pliée devant et on se met assise d'abord sur le talon. Le pied, il est aligné avec notre genou au début. On pose la main devant notre pied. Et d'ici, on avance le bassin en direction de notre pied posé au sol à plat. Et on revient. Vous avancez en poussant le genou à l'extérieur. C'est pour cette raison qu'on pose la main au niveau de notre pied et le coude les bloque le genou. Et on revient. Et on ouvre. Et on revient. On ouvre. Avancez votre hanche en direction de votre talon. Restez, sentez un bon étirement dans les hanches. Très bien. Et on revient. Et on va changer. Vous restez assis sur le talon. Vous placez votre pied, le tibia perpendiculaire au sol. Le talon et le genou sont superposés. L'âme est posée au niveau de notre pied. Et chaque fois quand on se lève, on bloque notre genou. On le envoie plus loin derrière notre épaule. On avance et on revient. Avancez la hanche en direction de votre talon et revenez. Avancez et revenez. Avancez et revenez. Encore. Et revenez. Avancez et on reste. On reste là. Allongez la colonne vertébrale. Essayez d'avoir le dos bien droit tout
au long de l'exercice. On reste, on bloque le genou et on le pousse en arrière. On sent une bonne ouverture des hanches. Et on relâche. Très bien. Voilà. C'était tout pour les exercices d'aujourd'hui. Balancez les genoux un petit peu à droite, à gauche. Retrouvez l'appui sur les ischions. On va faire la respiration. Vous allez vous trouver en position qui est à l'aise pour vous. Si la position avec les jambes tendues, elle est à l'aise pour vous et vous sentez que vos épaules sont détendues, votre passage respiratoire il est dégagé, vous restez avec les jambes tendues. Si vous voulez vous trouver en tailleur ou en papillon, vous pouvez le faire. Essentiel qu'il n'y a pas de crispation dans les laines. Il n'y a pas de dos arrondi, il n'y a pas de crispation dans les épaules et dans le cou. Dès que vous trouvez une bonne position, ça peut être la position assise sur un tabouret, sur une chaise tout simplement, ou même debout si vous voulez. Essentiel que vous ressentez, vous contrôlez votre respiration. D'accord? On va inspirer en trois temps et on va expirer un seul temps. Il faut que votre inspiration passe en trois temps et votre expiration d'un seul coup son soufflée, son forcée expiration. La force, la expiration, elle doit être lente et prolongée et passive et fluide. Voilà. Vous allez remplir le ventre, remplir les côtes, remplir la poitrine et puis en deux temps, vous allez expirer lentement. Pourquoi 12 temps? Pour l'instant, c'est 12 temps parce que on n'est pas tous pareils, on est bien d'accord. On n'a pas tous les capacités pulmonaires développées. Avec la grossesse, les capacités pulmonaires, en général, on perd les capacités pulmonaires à force de changements morphologiques. Quand tout commence à grossir, à grandir, notre diaphragme, elle n'a plus de place pour descendre, pour s'étaler. Et si on ne fait pas attention, notre respiration, elle devient superficielle. Pour cette raison, pour l'instant, expiration, vous essayez de faire en 12 secondes. Et avec l'entraînement, votre expiration, elle va être plus longue, vous allez pouvoir de la faire jusqu'à 20 secondes, jusqu'à 30 secondes. C'est un timing qui est très bon parce que pendant la période d'accouchement, il faut éviter de rester en apnée. Il faut que pendant les contractions, votre bébé il a un apport important d'oxygène, qu'il a tout le temps l'oxygène, qu'il ne manque pas d'oxygène. Et cette expiration longue et lente, elle va justement vous aider de garder la quantité d'oxygène nécessaire pendant les contractions. C'est pour ça qu'on va faire inspiration, inspiration, inspiration et expiration lente. Aujourd'hui, on va faire ça en 12 secondes. On fait l'expiration en 12 secondes. Au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, vous allez prolonger votre expiration jusqu'à 30 secondes. Voilà. Évitez d'avoir les tournis, évitez d'avoir les vertiges. Ne restez pas trop longtemps avec la respiration parce que si vous forcez
votre respiration, par exemple, si vous faites les exercices pendant 30 minutes, ça peut déclencher aussi et les nausées et même les migraines. Soyez raisonnable, faites-le plusieurs fois dans la journée. Et comme ça, vous oxygénez votre corps, vous enlevez le stress, vous retrouvez le sommeil plus facilement le soir. Prenez plusieurs minutes, plusieurs pauses dans la journée et entraînez-vous. On y va. On inspire par le nez. Par le nez. Par le nez. Et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspirez. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inspirez. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très important. Évitez de crisper vos épaules pendant l'exercice de respiration. Il n'y a pas ça même quand vous inspirez par la poitrine. Les épaules, ils doivent être détendues tout au long de votre exercice. C'est important que vous essayiez de sentir que vous remplissez vos poumons et que votre diaphragme, elle s'étale. Pour ça, il faut que l'air, il descende jusqu'à le ventre. Vous êtes bien obligé. Pour aujourd'hui, on va finir. Et pour les exercices de respiration, je répète, profitez, faites une pause dans la matinée, dans l'après-midi, faites l'exercice avant de vous endormir. Ça permet de vous oxygéner, d'enrichir votre sang avec l'oxygène. Ça permet d'oxygéner vos muscles, d'avoir un métabolisme, bon métabolisme, et c'est un effet positif sur le développement de votre bébé. C'est très important pour le développement de votre bébé. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette séance. Merci Elena pour tous ces bons conseils. Si vous avez apprécié ce cours dédié au sixième mois de grossesse, mettez un petit like sous la vidéo, ça nous encourage à continuer et à toujours vous donner plus de contenu. Partagez cette vidéo aux personnes à qui ça peut servir, aux femmes enceintes qui voudraient profiter de ces séances et suivre des cours de gymnastique prénatale. Ça leur sera d'une grande aide. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir régulièrement les vidéos que nous mettons en ligne tous les jours en ce moment pendant le confinement. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Merci Elena. Et puis, on vous dit, on vous souhaite beaucoup de bien-être, une très bonne journée. Et puis, on vous dit à demain pour la prochaine séance. Bonne fin de journée. Au revoir.